Seulement 2 jours après l'accident sur la zone de rencontre de la Grand Place de Lille entre une piétonne et une voiture, la polémique ne fait, semble-t-il, que démarrer et s'est en tout cas déjà installée au sein même du conseil municipal de Lille entre les écologistes et l'adjoint au commerce. Alors que les Verts ont défendu cette zone de rencontre, expliquant qu'il fallait du temps pour que les automobilistes s'y habituent, Jacques Mutet, lui, à l'inverse, dénonce déjà ouvertement cet aménagement et demande même le retour des passages piétons et des feux tricolores pour la sécurité des piétons. Il va même jusqu'à attaquer directement les écologistes, les accusant d'être responsable de cet accident. Explication avec Jacques Mutet lui-même, l'adjoint au commerce à la mairie de Lille, joint hier par téléphone. Moi j'ai dit oui au partage de l'espace entre les piétons et l'automobile. Et j'ai rajouté à la condition qui est le partage du temps, c'est-à-dire un temps pour les piétons, un temps pour les automobiles. Ça veut dire que l'espace, c'est un espace où les voitures circulent et un espace où les piétons circulent en sécurité, c'est-à-dire des passages protégés. Et le temps, c'est-à-dire qu'il y a des feux tricolores qui permettent à des gens d'avoir préséance sur l'autre. Ça, c'est du code de la route.